Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça sera l'ouverture de 9 boosters The Dark Side of Dimensions Movie Pack, donc qui est le booster qui est sorti pour faire la promotion du film qui va sortir dans peu de temps. Donc ça a l'air d'être un booster vraiment très intéressant avec plein de cartes de collection qui peuvent être sympas. Donc je suis pas trop renseigné sur le booster en lui-même, mais je pense qu'il y a pas mal de bonnes cartes à récupérer dedans. Donc avant de commencer l'ouverture, je tiens à préciser que pour la dernière question du jour que j'avais posée dans ma précédente vidéo où j'avais fait une ouverture de booster Shining Victories, donc vous pouviez tenter de remporter un booster Les Destructeurs de l'Ombre. Donc si vous voulez aller voir le nom du gagnant et la prochaine question du jour, je vous invite à aller tout simplement dans la description. Et puis voilà, donc c'est parti, on va commencer tout de suite l'ouverture des 9 boosters. Alors, donc dans cette extension, vous retrouverez 5 cartes dans chaque pack avec une extension complète composée de 57 cartes ultra rares et donc 5 cartes par pack. Hop. Alors, Dragni, le roi cubique Vulcain. Donc, très belle carte, comme j'ai dit, il va y avoir pas mal de cartes assez sympas dedans. Mirage dimensionnel, donc c'est que des ultras par pack, j'avais lu ça il y a peu de temps. Kuribo limpide, donc vraiment très sympa comme carte. Voilà. Défense des magiciens. Elles sont vraiment très jolies hein, les cartes. Hein. Hop. Et magicien sombre. Waouh. Vraiment très très belle, regardez. Franchement, ils ont refait l'artwork et elle est vraiment pas mal. Hop. Deuxième booster. Alors, Avatar Crystal. Vraiment pas mal aussi. Hein. Là, franchement, elle est très jolie celle-là. Ouais. Et puis, vu que c'est que des ultras, du coup, ça les rend vraiment encore plus jolies. Alors, Unification des Seigneurs Cubiques. Ok. Magicienne des Kiwis. Des Kiwis. Ok. Alors, Garudia, la bête cubique de l'épée. D'accord, ok. Oh là là, la magicienne des ténèbres. Donc, ils l'ont refaite pour l'occasion, enfin pour le film. Et franchement, ils l'ont vraiment bien fait. Hein. Franchement, elle est plutôt pas mal. Hop. Donc, déjà 10 ultras, hein, vous voyez, en deux boosters pour. Pourquoi? Pour ça, vous les récupérer sur à 3,90 il me semble sur le site Arcard. Donc n'hésitez pas à aller faire vos commandes, hein, c'est vraiment pas cher. Donc magicienne des citrons. D'accord, ok. Hop, oh là là. Oh là là, Slifer, le dragon céleste. Allez, alors ça, si c'est pas beau, franchement, elle est très très belle. Alors en ultra, franchement, vraiment pas mal. Sphinx dimensionnel. Portail du contre. Oh là 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 là. C'est la fête. Dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Elle est belle, hein. Franchement. J'aime beaucoup. Voilà. Donc je prends bien le temps de vous montrer les cartes parce que vraiment ce qui compte dans ces boosters, c'est pas tellement les cartes, on va dire, qui cotent, mais vraiment on va dire les belles cartes, quoi. Donc marche macaron. D'accord. Moad Oracle Palladium. Ok. Garudia la bête cubique, donc ça on a déjà eu. Porte du contrat magique. Et encore un magicien sombre en ultra. Hop, donc là on est au cinquième booster. Encore un Kuribo limpide. Ça y est, on commence à avoir des cartes en double. Mad Oracle Palladium. Encore un magicien sombre. Forme du chaos. Et, oh tiens, une belle carte, franchement. Seigneur Gaïa, le chevalier implacable. Donc, ils ont refait encore des nouvelles cartes Gaïa, donc qui est, on va dire, la carte phare de Yugi, hein, de Yami, même dans l'animé. Enfin, des deux. Métamorph Forteresse. Ah, sympa celle-là. Hop. Magicienne des citrons encore. Sortilège final. Kaiser Marauder Vorce. Oh! Ah, ils ont refait. Ah, d'accord. Sympa.
et magicienne des baies. D'accord, donc à mon avis, ils vont faire plusieurs fruits comme ça avec les magiciennes. Esprit de combat du dragon. Donc, sympa. Assez jolie celle-là. Unification des seigneurs cubiques. Gardien dimensionnel. Encore un dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Donc, je tiens à préciser aussi que si vous avez vu des cartes, bien entendu, vous pouvez poster un commentaire, hein, me le dire. Il n'y a pas de problème. Hein. Normalement, il y a pas mal de cartes qui devraient partir. Et vague cubique. Donc, il va nous rester deux boosters. Karma cubique. Garnex, la bête cubique des ténèbres. D'accord. Épée de révélation de la lumière spirituelle. D'accord. Ok. Hop. Indiora, l'empereur cubique du choc mortel. Sympa celle-là aussi. Et magicienne des chocolats. Magicienne des chocolats, d'accord. Tout à l'heure c'était citron. Je sais plus ce qu'on avait d'autre, mais voilà. Ok, bon bah, c'est. Je sais pas, ils se sont amusés. Hop. Ensuite, pour le dernier booster, gadget argent. Ah oui, donc ils vont faire des. Ils ont fait d'ailleurs des nouveaux monstres gadgets. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Voilà, un nouveau gadget, ça fait toujours plaisir. Dragon blanc aux yeux profonds. Oh, alors, j'ai rarement vu une carte aussi jolie. Vraiment très très belle. Hein. Je profite d'avoir un téléphone de bonne qualité pour vous montrer un peu l'artwork. Parce qu'elle est vraiment très 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 sympa. Voilà. Dragon pandémique. D'accord. Ok. Seigneur Gaïa, le chevalier implacable qu'on a déjà eu. Et pour terminer cette ouverture qui te rend très très bien pour ma part, Horizon des Ténèbres. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Attendez, je vais vous mettre les belles cartes juste ici. Hop, on va juste mettre celle que je préfère, on va dire. Hop, et je pense que je vais mettre. De retour, excusez-moi, il y a eu une petite coupure. Donc je disais, oui, voilà, c'est trois cartes vraiment que je trouve les plus belles dans cette ouverture. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu des cartes en postant soit un commentaire ou en m'envoyant un message privé. Bien sûr, vous pouvez retrouver tous ces boosters sur le site Aracard avec plein d'autres produits, bien évidemment, à des prix vraiment très convenables. Hein, voilà, si vous avez envie de vous acheter ces boosters qui sont vraiment, pour ma part, vraiment très bien, eh bien, n'hésitez pas à passer commande chez eux. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vais vous laisser là et je vais vous dire à la prochaine, tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!